Hey, salut tout le monde, c'est Dahlia. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 14e épisode de Pokémon Platinum Save Clone Challenge. N'hésitez pas à aller voir l'épisode précédent chez la chaîne de Psycar. Nous, on va commencer tout de suite après le générique. C'est parti, du coup, on va découvrir ce que Psycar a fait sur notre jeu. Donc, je pense qu'il a dû faire la 7e arène. Il a battu la 7e arène. Alors, du coup, j'ai regardé son épisode. Donc, je sais qu'il a perdu. Alors, Anusophile. Il a perdu Anusophile parce que, du coup, il l'a entraîné. Et ça a évolué en Lagron. Anusophile était devenu un Lagron. Et son Lagron s'est fait one-shot par un petit Delcati des familles avec Lamefeuille, bien évidemment. Du coup, ça veut dire que pour l'instant, c'est notre ami Psycar qui a tué le plus de Pokémon dans le Let's Play. Félicitations à lui. Bon, Silo, concrètement, la team, bah, on la connaît, hein. On la connaît à part lui, là. 5 ans. 5 ans, bah, c'est le Coxie. Alors, Coxie, enfin, Togetic, il évolue avec une pierre ovale, hein, je crois. Hein. Ou Pierre Éclat, un truc du style, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Et du coup, il a pris Grenadine, ça on l'avait déjà. Ok, bon, la team n'a pas tellement changé à part le 5 ans là. Je sais pas si on a une pierre ovale sur nous, ou une pierre éclat, je sais plus du tout. Pierre aube. Ouais, non, c'est pas ça. Hein. Ouais, non, c'est pas ça. Ah, on l'a pas, hein, la pierre. Ouais. Je pense qu'on l'aura pas, hein, parce que vu que les objets sont random, on peut pas prédire, à part si c'est un PNJ qui nous la donne, on pourra pas. Donc dans tous les cas, il va falloir apprendre escalade. Là c'était de merde. La CS de merde même. Escalade un Pokémon, alors je pense qu'on va l'apprendre à 5 ans, parce que c'est vraiment lui celui qui sert le moins, quoi. On va enlever Forte Paume parce que de toute façon il n'est pas orienté physique. Donc. Escalade ou Forte Paume, j'ai envie de dire, ça change pas grand chose. Donc voilà, ça c'est fait. On va du coup se diriger au lac Savoir. Donc il a fait cette zone, hein. Je me rappelle plus qui l'a attrapé ici, mais. Sais pas, je me rappelle pas. Donc on y va. Hop, c'est parti, petit objet. Un encens fleur. Bah, c'est de la merde. J'aurais préféré une pierre éclat ou pierre ovale, je ne sais plus. Qui fait évoluer l'autre là. En tout cas, nous, on va se diriger donc au lac Savoir, dans la neige, tout ça. Et il y a. Comment elle s'appelle? Vous ne en direz pas. Ah, si bon compte, Team Galaxy. Ah, c'est Jupiter. Oh, c'est déjà terminé. Tes Pokémon ne sont pas mauvais, mais tu es d'une faiblesse embarrassante. Tu penserais. Ouais, je sais plus parler. Tu pensais sincèrement pouvoir sauver le Pokémon du lac et devenir un maître Pokémon? Continue de rêver, petit dresseur. Enfin, bref, il fait froid ici. Je retourne au QG de voilà avec moi. Caille le cul. Oh, je te connais, toi, dont tu viens de Vestigion. Écoute, la Team Galaxy travaille pour le bien de l'humanité. C'est pourquoi tu ne devrais pas essayer de t'interposer. Ne viens pas pleurnicher sur ces pauvres Pokémon ou ce genre d'idiotie. Et ne perds pas ton temps à nous rejoindre au QG de Wallarock. Hein. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je me caille le cul. Ok, caille-toi le cul. Bon d'accord, je n'ai plus rien à faire. Je n'ai plus rien à faire contre la Team Galaxy. Ce Pokémon Créelf, il souffrait. Oui, d'accord. Je vais m'endurcir. La victoire, la défaite, c'est insignifiant. Je dois juste m'endurcir. Pour devenir le meilleur de dresseur. Et croire en tes rêves. Il ne suffit pas de vouloir. Ça demande du travail et du courage. Et du cœur à l'ouvrage, plutôt. Oui. Ok, bon. Vous savez ce qu'il nous reste à faire. C'est de nous envoler avec Bruce Wayne. Pour aller à Waterloo, justement. Puisque c'est là où se trouve le QG de la Team Galaxy. Bien évidemment. Et il va falloir trouver la clé Galaxy. Et je sais exactement où elle se trouve. Parce que c'est ce mec qui l'a. Je ne sais pas à quoi elles servent, mais elles sont titanesques. Hey, mais je te connais.
Je parie que tu m'as oublié, mais je me souviens très bien de toi. C'est de ta faute si on a emporté mon mélofé. Quoi? Mon partenaire a jeté l'éponge pour rentrer au pays. Quoi? C'était une clé stockage? Je ne suis pas au courant. Eh, à plus. Ah, laisse-moi faire. J'ai en ma possession la clé stockage, ouvrant le repère de la Team Galaxy. Il serait vain d'attaquer de front, mais nous pouvons nous... au moins fouiller leur cachette. Eh bien, tu m'accompagnes ou pas? À toi de voir. Très bien. Retrouve-nous dans les hangars de la Team Galaxy. Prépare-toi bien avant d'y aller. Je te rejoindrai d'ici peu. Ouais, bon, je pense qu'on est prêt, hein. Je pense qu'on est soigné. Check quand même, mais... Ouais, c'est bon. Ok, on y va. On y va. Do it, hein. Comment dirait l'autre? Je pense que j'ai encore des soins. Intéressant de regarder ça. Oui! Oui, c'est bon. Oui, tranquille. Ok, tranquille. Donc, on va dans le hangar. Monsieur Belladonis va ouvrir. Salut, je t'ai fait attendre. La porte. Le moment est venu d'utiliser cette clé stockage que j'ai extorquée à la Team Galaxy. Clic, clac. Victoire, c'est ouvert. Je passe le premier, camarade. Ne prends aucun risque. Oui, bon, allez, hein. Ok, on a notre petit objet. Petit rappel max qui nous servira à rien, hein, on est à Nuzlocke Challenge. Grosse utilité. Donc là, on est dans le truc bidule de la Team Galaxy, et je crois qu'il faut faire tout le tour. On peut éviter certains dresseurs, je pense que je vais pas m'en priver, j'avoue. Du coup, potion max, ça c'est cool. Et du coup, il faut se rendre en fait à la fin de ce truc. Ouais, lui, on peut pas l'éviter. Pour, eh bien, choper la carte magnétique ou un truc du style. Et du coup, libérer les trois Pokémon. Je sais pas si on aura le temps dans cet épisode. On va essayer. Hein. C'est pas gagné, quand même. Hein. Il y a des gros combats à faire avant. Archéodong contre Archéodong. Ok, très bien. Mais encore. Ok, bon, on a tous les deux intimidation, c'est cool. Par contre, moi, j'ai Ballon. Lui, il doit pas l'avoir, parce que Ballon, en fait, c'est une CT. Et donc j'ai un petit avantage. Ah oui, c'est vrai que le type acier résiste au spectre et aux ténèbres dans cette génération, putain. Oh bon, heureusement on lui a fait baisser sa défense spéciale. Allez, on continue Ballombre. Qui reste quand même le mieux, je pense. Voilà. Eldacier, bon. Il va rien faire, hein. Faut pas déconner. Ok, même critique, c'est nul à chier. Ken qui a survécu hein, au dernier épisode. Oh, petit crit aussi. Comment ça se fait que je vais taper autant? Étrange. Étrange. Ok, Aquaquack. Alors, Aquaquack. Bah, Aquaquack, on pourrait faire l'enseigne, mais vu qu'il n'y a pas le soleil, c'est un peu relou. À charger. Bifrost, il a quoi? Il a encore coup de jus ou pas? Merde. Oui, il a coup de jus. Donc, je pense que je vais envoyer Bifrost. Ok. Griffombre. Ouais. Tranquille. On fait le coup de jus. Qui est donc super efficace sur Aquaquack. Qui devrait faire peut-être mid-bar, je pense. Pas plus. Hein. Ouais. C'est ça. Mid-bar. Pas plus. Poursuite, c'est nul. Ce Bifrost, quand même, c'est pas un Pokémon très offensif. Et vu que c'est pas stabé, coup de jus, forcément, ça fait pas de lourds dégâts. Mais au moins, ça peut. Ça a le mérite de tuer en deux coups, et c'est ce qu'on demande. Ok, un petit peu d'XP, on bat l'infirmière, bien évidemment. Allez, boum, allez, casse-toi. Ok. C'est pas un dresseur, je crois pas. Bref, alors, ici, je me semble que je me rappelle du chemin. Alors, on pouvait l'éviter, mais j'ai foiré. J'ai foiré. Comme une merde, bon c'est pas grave. Alors il a quoi lui? Smogogo. Petit poison. Pas grand chose à craindre. On n'a pas d'attaque de type psy, c'est un peu dommage. J'avoue que c'est un peu dommage. On a des attaques de type sol. Est-ce qu'on a des attaques de type sol au moins? Ah non. On n'a pas d'attaque de type psy.
Ah si, y a Bifrost. Ok, bon, Bifrost, c'est la solution à tout, au final. On manque un petit peu de couverture de type, hein. Je vous avoue que le type sol en attaque serait assez pratique. C'est un peu comme dans Soleil Re-Random, hein. On n'a aucun type sol. Enfin, aucune attaque de type sol. Un peu relou. Ok, la défense spéciale qui baisse, mais on n'en avait pas besoin. Surchauffe qui n'aurait fait rien du tout dans tous les cas. Donc on s'en fiche. Lumière éclat qui va tuer. Parti. Ok, bon, un petit niveau 51 sur Bifrost 2, ça fait plaise. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de soins, on n'a pas pris trop de dégâts. Je me rappelle plus si c'est à gauche ou à droite, je vous avoue. Ah bon, ici c'est pour un objet, donc bon, bah, voilà. La CT79 Draco Charge. On va voir un petit peu les CT qu'on a un petit peu, parce que c'est vrai que je les regarde jamais, moi. Draco Charge, machin. Voilà, pas des trucs de ouf, hein. Draco Charge, c'est pas terrible parce que ça a quand même que 75% de chance de précision, hein. Donc c'est pas fou, quoi. Ok, bon, là pour l'instant on est en train de se faire balader par des téléporteurs. Ici on a un choix, le choix, je m'en rappelle, il faut aller à gauche, celui-ci, sinon c'est pour un objet, et puis en plus on fait un combat supplémentaire pour pas grand chose. Donc voilà le petit sniper. Petit sniper du scientifique. Qui n'est pas un scientifique d'ailleurs, c'est un Yandere Newtiteuf. Oh, Newtiteuf. Je ne savais pas que t'étais une Yandere. Bref, on a un Krabos devant nous. Le Krabos nous fait pas si peur que ça vu qu'il a été intimidé. Je pense que je vais partir sur un lance-soleil. Il pense à faire un défense plus qui ne va pas du tout l'aider. Ça va pas du tout l'aider. Donc, alors. Tranche nuit, d'accord, bon. Ça va que c'est neutre. Heureusement que le type acier est vraiment overkill. Et ça fait absolument rien. Même si ça aurait été super efficace, ça aurait tellement rien fait. C'est ridicule. Et le Krabos qui va, je pense, prendre la moitié de sa vie. Toute la vie? Putain. Waouh. Étonné. Étonné. C'est quand même Archéodon, quoi. C'est pas très puissant, Archéodon. Donc, ok, jolie fleur. Type plante classique. Alors lui, du coup, je pense que je vais partir, hein. Plante classique, on pourrait envoyer Spark pour ébullition. Grenadine, il a Blizzard, non? Ouais, il a Blizzard et Tempête Verte, mais Blizzard, c'est pas très précis. 5 ans, il a Canicule, 5 ans. On va envoyer 5 ans, voir un petit peu ce qu'il donne. Aile d'acier, donc ça va être neutre. C'est physique, c'est pas très puissant sur Joliflor. Ok, très bien. On va Caniculer. Même, j'aurais pu faire lame feu, je suis con, hein, c'est stabé. Hein. Je suis con, moi. Cherchais une attaque feu, mais j'ai une attaque vol. Bref, c'est pas grave. Ça devrait faire au moins mid-bar, je pense. Ah, presque. Bon, alors ça veut dire que lame d'air va tuer. Hein. Vu que c'est stabé. Ou au moins les mêmes dégâts. Bon, bien évidemment, on rate notre attaque, sinon c'est pas drôle. Allez, boum. Allez, stop là. Allez, 5 ans, prouve-moi que t'es un homme. Putain. Bon, on va atterrir du coup. Oh, le bâtard. C'est neutre, mais c'est physique. Donc là, contre, si vous connaissez pas cette attaque, c'est une attaque en fait quand vous avez un point de vie. L'attaque fait à 220 de puissance. C'est extrêmement puissant. Alors du coup, normalement, on est censé tanker sauf s'il nous fait un crit. Je vais faire le canicule du coup. J'espère que je le tanks. J'espère qu'il va pas crit ce joli fleur. Ok, 5 ans. Rip, merci Boom Final qui a permis de tuer joli fleur du coup. Et qui a permis de tuer Yandere. Bon bah, rip 5 ans, hein, voilà. Je dis le crit, j'espère qu'il va pas crit, parce que sinon on aurait tanké à quelques points de vie comme l'attaque d'avant, quoi. Et non, hein, et non, et non, et non. Et je voulais pas envoyer un autre Pokémon. Hein, j'aurais pu envoyer n'importe quoi, mais bon, voilà. Enfin, n'importe quoi, non. Je pense que j'aurais dû envoyer soit Bruce Wayne, soit Grenadine. Mais bon, fait chier, quoi. Bon, tant pis, de toute façon, c'était de la merde, Togetic. Franchement, c'était de la merde. De toute façon, c'était un
un coxy, ça pouvait pas être terrible. On va se soigner vite fait. Les meumeux, il y en reste 7. Hop. Bon, un petit peu de sel, hein, un petit peu de sel toujours, mais bon. Ça va, me dit, c'est Togetic. On aurait quasiment jamais pu le faire évoluer à cause de la pierre ovale ou éclat, je sais pas quoi. Donc au final, bon. Hein. Là, c'était 0,7 conversion 2 qui est strictement inutile. La base. La clé galaxie qui, elle, est utile. Et on ouvre la porte fermée, bien sûr. Voilà. Parfait. Alors, je sais pas si c'est un dresseur, lui, mais. Je sais pas, j'ai voulu éviter. Ok. Donc, on se casse. Cette fois-ci. Ah, il y a un objet là. Cette fois-ci, on peut du coup se diriger. Eh bien, par le bâtiment principal. Et on pourra du coup. Eh bien, rentrer comme. Je sais pas, comme normalement en fait, genre, les gens ils vont pas t'arrêter alors que t'as la clé, tout ça, la porte elle est fermée tout, non, non, les gens t'arrêtent pas, aucun souci quoi, pas de problème. Ici on peut éviter ce combat double, ce que je vais essayer de faire, déjà je vais casser le combat double, je vais changer de Pokémon en première position, je vais envoyer Spark, Spark qui peut faire le taf parce que c'est un gros sweeper quand même, donc go. Ok, Squeezie infirmière qui a raflé Zia très bien puisqu'on a éruption. Ça va le faire. Donc on va pas essayer de se placer tout de suite. On va direct taper l'éruption à 150 de puissance. Il y a moyen qu'il résiste hein, vu que c'est pas stabé. Raflé Zia est quand même un bon Pokémon. Non, ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Spark fait le taf. Ok, nice. Porygon Z. Alors là, par contre, je me casse. Hein. Concrètement, je me casse. Je me casse parce que ce Pokémon est trop trop relou. On envoie Ken. En espérant que ce Porygon Z n'ait pas d'attaque super efficace sur le spécial contre Ken. Non, mais non. Non. Pas Cyclone. Grenadine. Bon. Ok. On peut le faire. Ça peut le faire. On va... Bizarre, vas-y. On évite, bien évidemment. Glad soin. Ok, bon, il a l'air pourri. Il a l'air pourri pour Porygon Z. Donc, on va continuer avec Grenadine. On touche avec le Blizzard. Cool. Ça fait de bons dégâts. Il fait Darnuée, ce qui est super efficace, mais qui est physique. Donc, ça devrait le faire, parce que pour Porygon Z, c'est pas ouf sur l'attaque physique. Là, je me pose la question, est-ce que Mentally tue avec Bec Vrille ou Tunnel? Allez, pour la science. Oui, oui, étonné, étonné. Plutôt content. Porygon Z, c'est vrai que c'est un Pokémon qui est pas très défensif. Hein, donc, Alors ici, on va attendre qu'il se tourne, ce mec. Et on va faire un pause buffer. Même si ça marche pas en 4G, je m'en fous. J'ai pas envie de le faire. Tourne-toi. Merci. On ne court pas. Voilà, parfait. Alors... Ah, il y a Deli. Attends, est-ce que je peux y accéder? Ah, non. Alors moi, dans mes souvenirs, il me semble que c'était ici. Il me semble que c'était ici. Ah, effectivement. Il me semble que c'est là. Par ici, regarde ça. La Team Galaxy est en pleine réunion. Mais pourquoi? Ah, le discours. Le discours, le discours, le discours. Chers membres de la Team Galaxy, merci de votre attention. Mon nom est Elio. Le monde dans lequel nous vivons n'est qu'une grossière ébauche marquée par l'imperfection. Il y a toujours fallu se battre pour y survivre, et cela continuera. Les Pokémon et les humains, eux aussi, sont des êtres incomplets. Ainsi, nous abîmons tout ce qui nous touchons, tout ce que nous touchons. Ah, tant de laideur. J'exècre cette imperfection qui révolte tout mon être et me soulève le cœur. Le monde devrait être complet. Le monde doit changer. Qui, me diriez-vous, sera l'investigateur de cette révolution? Moi, Elio, avec la Team Galaxy à mes côtés? Oui, vous tous.
Ensemble, nous nous sommes penchés sur les mythes pour en dévoiler les secrets. Ensemble, nous avons capturé les Pokémon légendaires. À présent, nous sommes enfin prêts à changer le monde. Nous avons le pouvoir de concrétiser nos rêves. Comprenez-moi bien, chers camarades. Le monde parfait dont je rêve depuis si longtemps est sur le point de prendre corps. À tous ceux qui sont partis sur le Mont Couronné et ceux qui restent ici, bien que nos missions diffèrent, puissent nos cœurs combattre à l'unisson. Gloire à Team Galaxy! Wouhou! Hurrah! Longue vie à Helio, notre maître! Notre maître! C'est chiant. Bon! Impressionnant! C'était donc Helio, le patron de la Team Galaxy. Bah oui. Quel orateur charismatique, admirable pour son pour un jeune homme de 27 ans. Je n'en dirai pas tant du contenu de son discours. Un monde où la... Où pour, blablabla, un monde pour la seule Team Galaxy, c'est grotesque, à tel point que j'en ai la tête qui tourne. Un monde nouveau, nouveau en quoi? Et ce monde incomplet dont il parle. Les forces de police internationale ont du pain sur la planche. Pas de soucis, la jambe et la venise, c'est sur le coup. Le devoir m'appelle, prudence camarade. Ok. Bon, du coup, il nous reste du temps, voilà, l'épisode est... Je pense qu'on va pouvoir se faire, au final, tout... Ok. Ok, non, sans doute. Je pense qu'on va pouvoir, eh bien, déjà se reposer. Ah, mince, erreur. Voilà, erreur. Togetic a été soigné. Attention à ne pas utiliser Togetic, hein, bien sûr. Vu que là, j'ai pas accès au PC, j'ai la flemme de retourner au PC. Je pense qu'on va pouvoir faire tout le bâtiment de la Team Galaxy, c'est plutôt cool. Ici, on a un combat double, et vous savez très bien que je déteste les combats doubles. Je vais laisser Spark en 1, et je vais casser le combat double en parlant au dresseur, parce que c'est de la merde, les combats doubles. Voilà. Hop, on affronte la Squeezie infirmière, qui est un ninjasque, ce qui est intéressant du coup, puisqu'on va pouvoir le one-shot avec ébullition. Ébullition. Rien à voir, éruption plutôt. Ébullition, c'est apparu en 5ème génération. Hein. Ok, bon, le. Il n'y a pas de surprise, hein, il est mort. Voilà. Parce que c'est nul, c'est ok. Ok. Prends un peu d'XP. La tempête. Bon, tant pis, on va prendre un petit peu de dégâts de la tempête de ça, mais bon, qu'est-ce que tu veux. On y fasse. Ok, Rafflesia, c'est parfait. Du coup, on va pouvoir le tuer également avec éruption. Et ça, c'est cool. Allez, bloum, 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 bloum. T'es mort. Bisous. À moins qu'il ait un petit peu plus de défense spéciale que l'autre. Non, c'est bon. Ok. Ok, ok. On a les restes? Ah ouais. Ah non, gros loco, d'accord, ok. Moi, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Ça nous soigne bah, les dégâts de la tempête de ça, mais on les reprend juste après. Donc. Ah, Rhinastock. Rhinastock, c'est un peu plus relou. Donc on va envoyer, comme la dernière fois, Ken, qui résiste aux attaques de Rhinastock, à part le séisme, effectivement. J'avais oublié ça. Mais heureusement, on l'intimide et on va pouvoir faire lance-soleil qui le défonce. Hein. En plus, ça se trouve, il a même pas séisme, puisque les attaques sont full random. Hein, sont pas... Les attaques sont pas en préférence de type, donc ça veut rien dire, quoi. Ça se trouve, il apprendra jamais séisme. Ou une attaque de type sol. Bref, le lance-soleil qui va le défoncer. Quand même, faiblesse x4, quoi. Et il est pas bon du tout, hein, sur la défense spéciale. Donc, il n'y a aucun souci. Ça le tue. Voilà. Allez, deuxième combat double. Enfin, deuxième combat plutôt. La 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 la. Squeeze infirmière encore. Lamantine! Dommage qu'on ait pas d'attaque de type électrique pour le coup. Pour le coup, je pense que je n'ai pas resté. Je pense que je pourrais envoyer Ken. Bifrost aussi. Allez, on va faire le combat d'Otari là. Et de Phoque. Petit Lamantin. Lamantin et Phoque. Il décide de faire mania. Ça va rien faire du tout. Ok, nous, on a coup de jeu. Ça devrait faire 50%. Je pense. Même si Lamantine est quand même plutôt bulky. Voilà. Et ça paralyse. Très bien. Il refait mania.
De toute façon, il n'avait pas le choix en fait. Hein. Mania, c'est une attaque qui te bloque sur l'utilisation. Donc voilà, allez, coup de jus. Et c'est le chaos de l'Amantine. Suivant. Parce qu'il y a 3 Pokémon, donc il en reste un. Spark 51, c'est cool. Il faut rester un peu d'XP. Groudon! Ah! Alors, Groudon est de type sol. Hein, donc ça va. On a l'avantage avec Bibi. Pic toxique. C'est la première fois que je crois que j'ai un légendaire de cette ampleur. Un gros légendaire. Mais ça va, j'ai le match-up. Il peut rien me faire. À part une potentielle attaque plante. Mais je crois pas trop. Il convertit son type, mais avec le peu de vie qu'il a là, il va crever. Voilà. Même si c'était type plante. Allez, bisous, Groudon. Groudon! Voilà. Bon, on a battu Groudon. Easy. Ok. Nice. Alors, bon. Petit soin. Petit lémeume. Voilà, sur Bifrost, c'est tout, ça suffit. Les autres, voilà, ça va. Correct. Alors, ici, dans mes souvenirs. De toute façon, dans Pokémon, concrètement, quand ils vous proposent plusieurs choix comme ça de téléporteur, c'est toujours... le dernier, hein, concrètement. Voilà. Donc on est arrivé. On est face à Helio. Alors, est-ce que je switch de Pokémon? Spark est quand même très intéressant. Attention à ne pas envoyer 5 ans. 5 ans, je le mets en dernier. Il est mort. Hein. Ok. La porte est fermée. On utilise la clé spéciale. Allez. Do it! Do it! Alors, te voilà. Tu as entendu mon beau discours, j'imagine. Baliverne, que tout cela. La seule chose qui soit vraie, c'est mon intention de créer un nouveau monde. Mais dans mon monde, il n'y aura pas de place pour la Team Galaxy. Non, il n'y en aura que pour moi, et moi seul. Autrement, ça ne serait pas un monde parfait. Tu as vu tes yeux, les sous-fifres de... Tu as vu de tes yeux les sous-fifres de la Team Galaxy. Tu dois savoir que ce n'est qu'un ramassis d'indésirables. Je sais ce que tu fais ici. Je le sens, toi. Tu es ici pour Elf, Créfolet et Créfadet. Tu veux les sauver. Ils ne me sont plus d'aucune utilité. J'en ai terminé avec eux. Si ton cœur fragile... Oh non, on est fragile. Et agité brûle. De les secourir, ne te gêne pas. Cela m'évitera de me fatiguer à m'en débarrasser. Cependant, je dois t'avouer que tu es un spécimen remarquable. Ces Pokémon n'ont rien à voir avec toi, n'est-ce pas? Pourtant, tu viens les secourir par pure compassion. Cette émotion misérable est illogique, irrationnelle. La pitié et la compassion sont les fruits de la faiblesse et du manque. C'est cette sentimentalité inepte qui t'amène ici. Je vais te faire regretter d'avoir écouté ton cœur. Il va nous défoncer. Petit Zizivik. Petit Zizivik. Envoie Dodrio. Alors, Dodrio, j'ai eu pas mal l'occasion de le voir contre... mon ami Psycar, et il était assez chiant. Nous, ici, on a Blizzard. Je vais le tenter, et je le passe. Et je le défonce, mon gars, parce que je suis un putain de Voltali. Et c'est un putain de Dodrio de merde. Donc il crève. Voilà. Allez. Un de mort, déjà. Boum. En plus, on récupère notre vie avec le gros Locoq. C'est plutôt bien embarqué. Stylix! Alors Stylix, faut pas se planter. Hein. Faut que l'ébullition... l'éruption, pardon. Le but. Parce que, ouais, s'il a une attaque physique, il nous défonce. Hein, concrètement. Mais, notre avantage, c'est qu'il a pas du tout de défense spéciale. Il est faible au feu. Éruption, c'est une putain d'attaque feu. Allez, ça tue. Ça one-shot. Spark! 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 Oui, Spark, oui. Bien sûr que ça one-shot. Bien sûr. Même avec 2 niveaux de moins. Noirfang. Noirfang, c'est pas si ouf que ça. Par contre, ça serait possible que lui tank le Blizzard. Donc, je vais me placer avec Mikke. Je pense pas qu'il puisse me faire quelque chose. À part s'il est éventuellement un séisme. Ou une attaque sol, Tellurie Force, tout ça. Feinte, ça devrait faire 30-40%, pas plus.
Voilà. Donc, on va partir sur le Blizzard à plus 2 ou plus 3, je ne sais plus. Parce que la 4G, en 3G, Lumique donne plus 2. Après, je sais plus à partir de quelle génération Lumique booste à plus 3. Vous me direz, au pire, dans les commentaires. Du coup, on bute le Noirfang à plus 2 ou 3. Voilà. Et on se soigne. Spark, il va refaire tout, là. Il va... Ah bah... Il est avec 3 Poké ? T'es sérieux que t'es avec 3 Poké, mec ? Mais t'es nul ! Vic ! C'est quoi cette strat ? Il s'est cru en... Je t'ai sweep avec Voltali, mon gars. Bon, allez, je vois, tu es coriace, pas de doute. Et tu tires ton pouvoir de ton amour des Pokémon. Ah ouais. Kokoro. Quel gâchis. Ces émotions sont des illusions. Et comme toutes les illusions, elles s'étiffent. Elles s'étilent. Ta mère. Au fil du temps, pour disparaître à jamais. C'est pourquoi j'ai tourné le dos aux émotions et aux sentiments. Enfin, peu importe, je doute que tu puisses comprendre ma position. Ceci étant, je reconnais que tu as le courage de combattre en solitaire. Voici ta récompense. La Master Boules. Et ça, c'est cool. Qui permettra de capturer Giratina. Hein. Bon, je pense. Ou peut-être que... Enfin, je sais pas qui pourra faire l'épisode de Giratina. On verra ça, mais voilà. Avec elle, les captures ne ratent jamais. Oui, bon. Je te préfère te la laisser, je ne m'intéresse pas vraiment aux Pokémon, contrairement aux autres membres. La Team Galaxy, je ne les utilise pas, je me contente d'accaparer leur puissance. Oui, bon, tu les utilises quand même, quoi. Hein. Si tu souhaites sauver les Pokémon, là, emprunte ce téléporteur là-bas. Oui, donc, oui, dans le prochain épisode, du coup, Psycard devra eh bien, se diriger au Mont Couronné, afin d'aller au Colonne Lance, puisque je n'aurai pas le temps de le faire. Hein. Vous avez compris. Donc, c'est peut-être lui qui aura, comment dire, au moins le potentiel. Potentiellement, il verra le monde distorsion avant moi. Je ne sais pas. On verra ça. En tout cas, donc, déjà, nous, on doit combattre Saturne, je crois. Toi, tu t'es... Non, pas Saturne, l'autre à côté, je sais plus comment il s'appelle. Bref, pourquoi laisserait-il un enfant comme toi aller bon, lui semble. La Team Galaxy prend tout ce dont elle a besoin et élimine le reste. Enfin bref, tu as le courage de te montrer, je suis le comité d'accueil et je vais te faire payer l'affronte que tu m'as fait payer au lait. Ah non, non, on affronte ce Saturne. Je pensais qu'on affrontait le mec d'à côté, mais non, c'est Saturne. Hein, okay. Donc on affronte ce Nuzlocke normal. Ok, mec. Il a un boule de nœud, donc c'est parfait, puisque du coup, on a toujours éruption. Et boule de nœud n'a pas beaucoup de défense spéciale. Donc il va prendre tarif et crever comme une merde. Voilà. Concrètement. Adieu boule de nœud. Adieu boule de nœud. Adieu boule de nœud. Ok, on se soigne, on est full vie du coup. Spark qui fait très... qui fait le taf. Hein. On peut le dire. Spark qui fait le taf dans cet épisode. Staros. Ah. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas d'attaque électrique. Par contre, on a Ballon. Et c'est vrai que Staros est de type psy. Il fait saisie. Ça aurait été vraiment chaud si j'avais fait Lumi-Attirance. Lumiqueux. Parce que sinon, il aurait copié Lumiqueux. Enfin, il aurait pris Lumiqueux plutôt. Mais jamais je me serais placé devant un Pokémon offensif comme Staros. Donc, c'est bon. Ok. T'es mort. Tu es mort. Il y a un autre truc. Métamorphe. Alors lui, dans les random Nuzlocke, c'est vraiment le pire Pokémon parce qu'il est vraiment nul à chier. Il a pas son... Il a pas Morphing. Il a pas un poster vu qu'on est en 4ème génération. Il est vraiment nul. Adieu. Voilà. Ouais, c'est fait. Voilà. Pardon, j'ai baillé. C'est que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Darg. D'où vient... Mais j'arrive plus à parler, c'est ouf, quand même. D'où te vient cette puissance? Soit, fais ce que tu veux avec ces 3 Pokémon. Il te suffit d'appuyer sur le bouton de cette machine pour les libérer. Et c'est ce que nous allons faire. Nous appuyons sur le bouton. Et nous libérons du coup les 3 êtres créés.
Notre chef a fabriqué la chaîne rouge à partir des cristaux qu'il a dérobés aux trois Pokémon. Il en a besoin pour enchaîner quelque chose sur le mont couronné. Apparemment, elle est aussi nécessaire à la création d'un truc quelconque. On ne m'a rien dit d'autre. Qui sait ce qu'il compte faire là-haut? Ok, très bien. Donc, on va pouvoir partir de cet endroit lugubre. Et je pense qu'on va se laisser là. On laissera donc Psycar affronter le mont couronné et les chemins. Les chemins. Alors, lui, ça va être très drôle puisqu'il connaît pas le jeu. Donc, il va en fait tout simplement aller au mont couronné et se perdre. Donc, c'est cool. Je vais quand même me mettre à la bonne ville puisque sinon, il va être totalement perdu. Je vais enfin déposer 5 ans et voilà. On va déposer 5 ans. Alors c'est con parce que c'est lui qui utilisait Escalade. Hein. Voilà. Concrètement, c'est un peu relou. Je pense qu'on va récupérer Stylé du coup. Concrètement. Quand même, un type acier, c'est quand même plus cool que un type normal vol. Donc je pense qu'on va récupérer Stylé. Et on a, je vais apprendre Stylé Escalade. Parce qu'on est obligé d'avoir Escalade. D'accord. Il y a un Tortank. Il est pas bien le Tortank? Ah, il est pas ouf. Ouais, il est pas ouf là. Il est pas ouf. Il est pas ouf, on peut se le dire. Donc, je vais apprendre escalade à notre ami Hermure. Je me suis pas soigné au fait. Hein. Merde, j'ai appuyé sur l'accélérateur, excuse-moi. My bad. Ok, escalade. Ah, ça c'est relou, tu vois. Bon, marteau-point, c'est pas si fou que ça. J'avoue que. Bon, après, sinon, pour le poudre dodo, c'est pas mal. Bon, je vais lui laisser son stab quand même. Je vais enlever marteau-point. Tant pis. Voilà, on est obligé d'avoir escalade, de toute façon. J'ai pas soigné les pokés, je vais le faire. Et voilà. Et nous on va se laisser là, mais je vais l'amener devant, devant la sortie du. Enfin devant. Devant la bonne entrée en fait du Mont Couronné. N'hésitez pas du coup à vous abonner à ma chaîne et à la chaîne de Psycar pour suivre le let's play entièrement. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu bien évidemment. Et du coup vous retrouvez la suite de Pokémon Platine demain à 16h sur la chaîne de Psycar. Des bisous tout le monde, merci d'avoir suivi eh bien, ce 14e épisode. Bye bye!